Alors bonjour tout le monde, vous allez voir qu'il y a un petit peu de changement à la maison. On a changé les bureaux, on a trouvé des bureaux pas chers, donc on en a profité pour renvirer le grand bureau qui nous faisait 1m60 sur 1m60. Donc ça prenait trop de place. Maintenant on est passé par des tout petits bureaux. Franchement on gagne de la place dans la maison, voilà. Bureau d'angle, c'est pour ça que vous voyez un autre angle que d'habitude. Alors j'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine. Les amis, nous, on a continué à bricoler un peu dans la maison pour pouvoir faire des changements. Voilà. Bernard, chose étonnante, a passé un week-end chez son... Enfin, samedi à dimanche, 24 heures chez son frère. Donc voilà. Ça nous a fait du bien, en même temps un petit peu de repos, façon de parler, puisqu'on a eu nos chères et tendres Luna et puis Sandre qui se sont pas privés pour nous réveiller à 6 h du matin. D'ailleurs, vous allez peut-être en voir une sur le radiateur qui hésite à monter dessus. Mademoiselle Sandre, voilà. Allez, allez, non. Bougez pas. Hop. Voilà. Ah, par contre, Bella est pas contente. Bon, alors, on va quand même continuer à faire les tirages comme d'habitude. Hein, vous m'avez donné des chiffres. Donc voilà. Hop. Et là, c'est marrant, mais j'ai pile poil le nombre. Donc voilà. Ah, donc je mélange. Hein, Bon, par contre, vous risquez d'entendre plus facilement Nini, puisque on a fait en sorte que... Ben, hop, je vais vous faire voir. Hop, ah, voilà. Ah, non, faut que je mette la caméra correctement. Et ça, c'est pas gagné. Bon, ben, mets-toi comme ça, voilà. Bon, ça nous a fait du bien quand même, 24 heures en amoureux. Allez, on commence. Demi, Bernard, Marlène, bébé, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Le pape en vert. Dany, Patrick, le 3. L'impératrice en vert. Oui, ça commence bien. Tigrou le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. L'ermite en droit. Ça, c'est une carte que j'aime pas beaucoup parce que ça, c'est un isolement, quoi, quelque part. Soleil, cabaye le 2. La maison de Dieu en droit, c'est-à-dire effondrement. Puisque comme vous voyez sur la carte, hein, il y a la maison qui s'écroule avec un éclair. Ludovic le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'étoile en droit. Ah, il y a quand même un espoir quelque part. C'est déjà pas mal. Bernadette le 17. Oui, un tout petit espoir. Mais bon. Hein. Bernadette le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Le monde en droit. Yvette, Martine, Claudine, Françoise, JP, Walking Dead le 8. La force en droit. Là, par contre, j'aime pas trop parce que la force, ça représente, pour moi, ça représente la violence. Ça risque d'être violent. Excusez-moi. Yves le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. La lune
en vert. Donc, pour moi, la Lune représente l'automne. Donc, ça serait avant l'automne. Ou tout début de l'automne. Et Stéphane le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, mais faut, dans ces cas-là, il faut se baser sur le calendrier. Voilà. Et pour finir, le Butler en vert. Bon. Alors, qu'est-ce que ça m'indique à moi, les cartes, et puis par rapport à mes ressentis personnels? Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'assez important en France, qui va déclencher une certaine violence. Bon, vous savez très bien, je vous l'avais dit, que normalement, le FMI nous tombait dessus, à partir du 15. Bon, pour l'instant, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi... Macron n'a pas encore nommé un premier ministre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. J'ai essayé pendant plusieurs jours de ressentir ce que Macron pensait, et puis en fin de compte c'est tellement embrouillé que ben je réussissais pas à faire quoi que ce soit. En même temps, j'ai l'impression qu'il a le cerveau à l'envers. C'est franchement catastrophique. Impossible de rentrer, d'essayer de trouver la moindre étincelle de ce qu'il prévoit. Pour moi, il est en train de nous préparer quelque chose assez difficile. Où justement, là, ça va mettre un petit peu de colère en France. Il nous prépare quelque chose, mais qui va pas être vraiment franchement catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Il y a quelque chose de... Voilà. Ah, attendez. Hop, vous allez peut-être voir un minou passer. Non. Elle est en train de foutre le bordel dans mes cartes. Elle m'indique quoi comme carte? Oui, il y a... Non. Non, non, tu vas pas là. Mademoiselle Luna. Qui vient foutre le bazar dans mes cartes. Hein? Allez, file. Donc voilà. Moi, personnellement, je la sens très mal, la rentrée, hein, je vous l'avais dit déjà. On va avoir des très mauvaises nouvelles. Ce que j'espère personnellement, c'est qu'il se... Vu comment il est complètement à l'ouest, c'est un mec qui est complètement à l'ouest, hein, c'est affolant d'ailleurs, qu'il s'amuse pas, par exemple, à déclarer la guerre à la Russie pour défendre son petit Zelensky. Voilà, c'est vraiment ma grosse frayeur. Alors par contre, oui, cette semaine, j'ai eu un chiffre qui m'est arrivé en tête. Alors je sais pas à quoi ça correspond parce que j'ai pas eu de renseignements vraiment. C'est 1 200 000. Mais ça correspond à quoi, j'en sais rien. Ce que j'espère, c'est que c'est ce qu'on va gagner à l'euro million et pas ou que quelqu'un fasse un chèque, hein, y a pas de souci. Hein, là je plaisante. Hein. Ça fait un peu beaucoup quand même. Ou alors, à moins qu'un milliardaire m'écoute. Mais bon, ça m'étonnerait hein, qu'un milliardaire s'intéresse à un petit voyant comme moi. Voilà. Et c'est tombé. C'est les chats. Donc voilà, c'est... Il y a un petit souci qui est en train de se préparer. Voilà. Bon, à tout à l'heure pour le live et puis là tout de suite pour l'Europe.